Enfin, depuis le début. Depuis le début. Et depuis des années, j'avais les idées que les Gilets jaunes revendiquent aujourd'hui. Pas tous, mais pas mal. J'en ai fait 7 ou 8. 7 ou 8. La semaine dernière, j'étais à Bourges. La semaine d'avant, j'étais ici. La semaine encore d'avant, j'étais ici. Que Macron démissionne. Le RIC en toute matière. La justice à une seule vitesse. Équitable pour tous. L'ISF. La revalorisation des salaires, des retraites, des pensions, aide aux handicapés, nationalisation des banques, nationale indépendance de la presse, indépendance de la justice. Bah, l'handicap pour les personnes handicapées qui ont besoin d'appareillage, c'est très peu pris en charge. Par exemple, là, l'appareil auditif, c'est 3400 euros la paire. Je suis remboursé 1200. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas acheter des appareils auditifs. Comme il y a des handicapés qui ne peuvent pas s'acheter de fauteuil. Je suis d'accord avec toutes les revendications des Gilets jaunes. C'était des idées que j'avais déjà bien avant. Mais bon, comme il n'y avait pas de mouvement, voilà. Jusqu'à ce que retrait, enfin, l'ISF de nouveau appliqué, le SMIC réévalué au coût de la vie, retraite idem. Ouais, j'ai des beaux pieds, hein. Moi, je me protège. Donc, tant que tout ça ne sera pas mis en place, évidemment, le RIC, je serai là. Ah bah les politiques, rentrez chez vous, laissez le peuple décider de lui-même à travers les assemblées constituantes, voilà. Bah ils préparent les élections européennes, il me semble, uniquement. J'en attends rien du tout. Pas grand chose et pas assez pour tout le monde. Non, il fait rien du tout, au contraire, il réduit le taux de logement pour les personnes handicapées. De 100%, il est passé, il a descendu à 20%. Aménager déjà plus les territoires, augmenter un petit peu les ressources et à gauche, s'il vous plaît.